Chocolat Production. C'est même qu'elle a fait. L'autre jour, Cocorico a vu son coronavirus. Il m'a fait courir tout le quartier. Ça, c'est même quoi. Quelqu'un reste, il ne peut pas manger en paix, il ne peut pas manger en paix. Et si tu te lèves, oh, il est derrière toi deux coups. Il te pousse. Qui me trouve encore ici? Voilà même que mon âme est même perdue. J'ai même égaré mon âme. Là même que je voulais finir Papa Ndola avec. C'est comment, où est mon plat? Tu as mis le kounou, non? Ok, c'est bon. Ah, d'accord. Ah. Bonjour la famille. Oh la miss! Ma femme, toujours dans les poèmes, façon. Ouais, champagne, bonjour. Bonjour chérie, ça va? Oui, ça va. Bonjour le bic. S'il te plaît, je peux passer. Je vais m'asseoir à côté de ma mère. Il n'y a pas de souci. Merci. Dans la vie, on a trop de gens qu'on doit manger vivant. Moi, je vis pour manger. Je ne mange pas pour vivre. C'est comment? Mais tu peux te joindre à moi? Avec l'histoire de coronavirus, là, c'est à chacun son espace. Vous n'avez rien compris. Hein? On n'a pas d'espace dedans. Le coronavirus est au quartier. Tu sais pas que Cocorico a atteint du coronavirus. Mais tu nous as dit ça l'autre jour. Mais vous, toi tu as encore fait sport. Maman, tu as le cœur. Moi, je ne mange rien. Mais je suis en train de se balader. Vous êtes là, vous mangez, vous racontez. Maman, tu sais pourquoi je m'atteins. D'autres, ils refusent. Dès qu'elle termine de manger, elle part. Mais il n'est pas là à l'hôpital, ce Cocorico. Oh, pardon, fille, maman, ne m'abrouillez pas, moi. Et que, ma femme. Tiens, ce que tu dis là, ça me dépasse. Moi, quelqu'un peut être méchant comme ça. Mon Dieu, hein? Les gens ont eu même le sida, toutes d'autres maladies, les gens ont pas cher contaminé. C'est quoi l'histoire de Cocorico qui veut contaminer tout le monde avec ça? Mais ça va pas la haine de moi. Permettez-moi de vous lire juste un petit bout de sa parole. Mais, tu remontes que le riz? Les gâteaux avec le couloir sur la pâte. Ah, c'est une mauvaise formule, hein. Merde.
de mordir le seul qui mange à la mort. Mangeons vivant. Papa Nolet, où il est, où aller là? Et partout, partout. Oh, le coronavirus, coronavirus. Tout le monde. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Et au verset 7, il nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Sans quoi, pasteur? Ce que tu parles là, parce que tu n'as pas encore vécu le réel. Ah, si Cocorico apparaît là, coronavirus, s'il vient là, ne fuit pas haut. Parce qu'à l'heure, sinon, on va sauf que fuir. Tu sais comment nous a fait courir dans le quartier? Il ne veut pas mourir seul. Dieu, quel Dieu? Pardon. Toi, tu connais même bien le Cocorico dont tu parles là. Est-ce que tu le connais même bien? Ta parole là, ça va faire quoi si Cocorico atterrit là? Monsieur le pasteur, quand vous parlez de la parole, avec le coronavirus, là, vous dites ça parce que vous n'avez pas vu comment est-ce qu'on a couru ici l'autre jour. Chacun courait de gauche à droite, le père, la mère ne connaissaient plus l'enfant. C'était catastrophique quand même, c'était pas facile. Donc quand on dit coronavirus, c'est vraiment, ça existe. Donc ne parlez pas de la parole. Donc ça là, je peux pas écouter. Quand vous dites 10 000 à gauche, 10 000 à droite, moi ça ne rentre pas dans mes oreilles. Moi si le coronavirus, j'ai vu comment ça a fait terroriser les gens dans le monde entier. Faut comme ça, demain c'est un jour. Je peux terminer ça aujourd'hui comme ça, demain commence à bailler. Il n'y a personne pour me donner à manger. Où est donc passée votre foi après avoir écouté cette bonne parole, qui est la parole de vie? Vous êtes toujours en manque de foi. Croyez en votre Dieu. Oh, le couple de l'air! Couple de l'année, couple de l'année. Mais c'est ton bien, mon bien. Moi-même, ma vie, ma clé là. Tu comptes là? La fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé? La fatigue. Vraiment. Il y a un gars là au quartier qui s'appelle Cocorico. Quand tu m'as pas parlé là, je suis trop fatigué. Ouais, que Cocorico a virusé. La manière que le gars m'a suivi, et il dit qu'il va propager ça dans tout le quartier. Et à ma grande surprise, je trouve encore mon épouse. En route, en train de courir. Oui, je sens qu'il me fatigue encore plus. Yeah, papa, que quoi que l'on a voulu. Mon frère, même vous, vous avez aussi peur de cette maladie-là. Mais tu dis quoi comme ça? Est-ce que la maladie l'a tué quelqu'un? Mon frère, vous avez la solution en main. On a donné les méthodes. On a dit l'eau est une solution alcoolisée. Vous avez... mettez. C'est tout. Vous avez le médicament avec vous. Une solution alcoolisée, vous lavez les mains régulièrement avec cette solution et c'est terminé. Ce n'est pas une maladie qui tue, ce n'est pas une maladie mortelle comme le sida, comme l'Ebola auparavant. Faites, respectez juste les méthodes et ayez foi en votre Dieu, ayez foi en votre Créateur. Le coronavirus, c'est qui? Oh, la go! Bonjour, la famille est déjà là. Ça a mangé un peu chez vous? Ah, bien, encore là, c'est bon, c'est ma vie, ma cala. Il peut pas nous les donner, je marche depuis avec toi, on fuit Cocorico. Pendant que tu as le médicament à main, tu perds ton temps seulement à boire, tu n'écoutes pas les informations. On dit qu'on l'a. Viens t'asseoir ici. Papa Ndola, mais
Nada cocorico. Na cocorico da. Na cocorico, ouais, non, comme. Ah, c'est non, comme. Mais tu as gardé la foi. Ah, c'est non, comme. C'est toi la sorcière, non? Hein? Non. C'est qui? C'est le grand-père de la sorcellerie. Tu es sûr que tu peux bloquer le corona que j'ai là? Non, tu as soigné l'autre la dernière fois, non? Avec Guy ou Soumo. On a bloqué. On a bloqué. Voilà. Le corona est quitté en Chine. C'est en Afrique, non? J'étais le premier à recevoir ça. Teke, venez pour vous. Chacun prenez. Vous n'avez pas du courant là, non? Donc moi qui ai ça, je ne mange plus. Chacun prend sa part maintenant. Allez, tenez. Calmez-vous. Prenez des bonnes positions. Chacun prend sa place. Vraiment, c'est marrant pour vous. Hein. Je vous ai eu. C'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Chacun tient sa part pour la prévention. Moi, Cocorico, je ne suis pas malade. Ah? Protégez-vous. Je vous ai eu. C'est la prévention. Je ne peux pas avoir le coronavirus. Et je voudrais vous dire, ayez ce protège. Quand vous mettez comme ça. J'ai vu à quel niveau vous avez peur. Allez, frottez-vous les mains. Voilà, c'est ça qui va vous faire. J'ai vu à quel niveau vous avez peur, excusez-moi. Je ne suis pas atteint de corona, je suis désolé. Il faut toujours boire la bière. Comme vous voyez, papa Ndolé, tu es en train de boire sa bière. Et il faut faire sport. Parce que quand vous faites sport, vous voyez, vous transpirez, non? C'est la maladie qui est en train de partir. Aimez le sport. Vraiment, désolé encore si je vous ai beaucoup fait courir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Vous êtes vraiment des imbéciles. Nous sommes quand même des imbéciles. Maman, c'est sport. Vous avez vu le sport qu'on a fait? Moi, papa Ndolé, j'ai quand même fait la signe.